du lieu où je me trouve est très importante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec un petit quart d'heure au doigt de retard. Oh, facile. Bref. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Non, on va en faire un peu plus quand même ou pas? J'ai l'impression. Dis donc, tu peux éclairer le public rapidement s'il te plaît? Si vous voulez juste être... Voilà. Ah. Donc la réaction première d'un public éclairé est qu'il lève les mains. Pourquoi? Bon, on est entre nous dans ce petit cadre intimiste ce soir. Je suis très impressionné, je savais pas qu'ils distribuaient des appareils photo à l'entrée. Fincher a un budget vraiment assez impressionnant. Ah, des têtes connues. Plaisir. Oui, oui, salut. Ça va? Oh, il connaît qui? Eh bien, la question se pose. Bon, on fait un peu de musique? On fait quoi? Moi, je vous propose pour commencer une chanson qui s'appelle Song for Evie, qui est sur le deuxième album. Qui a ce deuxième album d'ailleurs? Qui vient de... Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est grâce à vous donc qu'il est sorti numéro 1 des charts. Bon, faut quand même que je vous dise, voilà, c'est une sensation incroyable d'être numéro 1 des charts suisses. Mon équipe et moi-même étions très fiers. Et puis je me disais surtout, putain, j'ai niqué Justin Timberlake. Ouais, ouais, mais ça... Ça, c'était avant que j'aille il y a deux jours à New York et que je vois sa tronche partout dans Times Square. Je me disais, en fait, on va pas lui faire vraiment chier qu'un pays d'irréductible suisse le batte. Bref, cette chanson s'appelle Song for Evie. Evie, ne cherchez pas, n'est pas le nom de ma copine. Ça veut dire Eddie Vedder, c'est le chanteur de Pearl Jam. Et c'est parce que chaque fois que je jouais cette chanson, on me disait, joue la chanson un peu Eddie Vedder, comme ça. Voilà, et je me suis dit que c'est une chanson que j'aime beaucoup, et je me suis dit que les journalistes, voyant ce titre, je me suis dit, Gaston Baker, cette chanson Song for Evie. De quoi ça parle? Parce que bon, c'est un titre un peu énigmatique. Ok! À la batterie, c'est Nathan. Au piano et toutes les autres choses étranges que vous verrez ce soir, c'est Simon. Et au public, c'est vous! But I'm not too weak, it's happening.
again. Instead of losing this place.